j'avais décidé de travailler avec Plan Belgique parce que ça me plaît, c'est vraiment, comme je dis, une cause qui est très noble, qui en vaut la peine, et moi, j'avais envie de m'engager. Les enfants, c'est l'avenir, donc ils ont besoin de soutien, et c'est à eux qu'il faut surtout penser. Je suis papa également, donc on comprend toujours mieux les choses quand on est papa ou quand on a des enfants. Quand on lit les histoires de certains enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas de droits parce qu'ils n'ont pas de papier, qui n'ont pas des toilettes ou des choses comme ça, ou qui doivent faire des heures de voyage pour aller à l'école, quand on réalise ça, on a envie de les aider, quoi. Moi, personnellement, j'avais choisi Adjo, qui vient du Togo. Moi, je l'ai choisi aussi parce qu'elle est francophone, et je crois que dans la communication qu'il y aura plus tard, ce sera plus facile. Et ma femme a choisi Vanessa, qui est de la Bolivie. Ça va? C'est le moment? Ça a été? Ouais. Bonjour. Ça va? Ça a été? Ouais. Mon enfant a que 2 ans et demi, mais d'ici peu, il pourra se rendre compte de ce qu'on fait. Et une fois qu'il y aura l'échange des courriers, il pourra peut-être en envoyer aussi lui-même. Donc, ça peut être intéressant, et ça peut être aussi une bonne éducation pour mon enfant. Ouais. Il faut être un peu né sous la bonne étoile, et on ne décide malheureusement pas de son lieu de naissance, de sa famille, de ses conditions de vie. Ça, on subit, en tout cas dans les premières années. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message au grand public? Qu'ils aillent sur le site de Plan Belgique et qu'ils parrainent également des enfants.